Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de cette édition du 19h. L'information a défrayé la chronique dans la ville de Ouagadougou ce mercredi matin. Une explosion d'une grenade suite à une manipulation a eu lieu dans une école franco-arabe ce matin à Pazani, au secteur 38 de l'arrondissement 9 de la capitale. 4 élèves dont ont été blessés, dont 2 graves, évacués dans un centre de santé. Une enquête est ouverte par les forces de défense et de sécurité pour déterminer les causes de cet incident. Et puis le gaz butane, une denrée rare ces derniers jours à Ouagadougou. Depuis quelques temps, avoir une bouteille pleine de gaz relève d'un véritable parcours du combattant. Dans les dépôts, c'est une longue file de bouteilles qui est donnée à voir. Il faut donc parcourir toute la ville pour espérer avoir le précieux sésame. Qu'est-ce qui a occasionné cette pénurie de gaz butane? Élément de réponse dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Comme je vous l'annonçais en titre, panique ce matin à Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une explosion d'un engin dans une école franco-arabe dans ce quartier de la capitale a créé la stupeur chez les populations. L'explosion a causé la blessure de 4 élèves, tous en classe de CE1, dont 2 graves évacués dans un centre de santé. Informés, les autorités communales se sont rendues sur les lieux. Selon le maire de Ouagadougou, l'engin aurait été manipulé par les élèves pendant le cours. Piste terroriste ou incivilisme scolaire, aucune piste n'est à négliger selon Armand Biwende. Pour l'heure, une enquête est ouverte par les forces de défense et de sécurité pour déterminer les causes de cet incident. Nous reviendrons plus en détail sur cette information avec Nathalie Kaoré dans le journal de 20h. Dans un tout autre registre de l'actualité, un dialogue direct pour se parler afin de trouver des solutions face aux obstacles liés à la pleine participation du système de santé, à la promotion des soins de santé de qualité à toutes les couches de la population. Voilà ce qui a réuni à Kourougou hier mardi les acteurs des systèmes de santé du public ainsi que du privé. Une occasion également pour les premiers responsables du département de la santé de rendre un hommage à ces acteurs pour leur apport significatif dans le processus de la couverture sanitaire universelle. Jean Zango, Christine Koulibaly. Quelle collaboration entre les secteurs publics et privés de santé pour des soins de qualité et surtout accessibles à toutes les couches de la population. C'est le plat de résistance de cette semaine dite du dialogue secteur public-privé de santé. Nous avons tenu à redynamiser ce partenariat avec les secteurs privés de santé pour reconnaître publiquement leur apport dans la chaîne de production de soins aux populations, de soins de santé aux populations, et reconnaître publiquement ce qu'ils ont fait pour le secteur de la santé, pour que le secteur de la santé puisse tenir debout, malgré tous les mouvements sociaux qui ont secoué le secteur de la santé, et dont vous vous souvenez très bien. Sans le secteur privé, il nous sera difficile d'aller vers l'assurance maladie universelle. Reconnaissance, oui, mais un soutien permettra au secteur privé de santé de mieux accompagner la politique de l'accès universel aux soins de santé au Burkina. L'accompagnement, justement, c'est au niveau, par exemple, de la fiscalité. Si les choses demeurent telles qu'elles sont, ben mieux vaut aller vendre des arachides ou bien s'investir dans l'agriculture que dans la santé. Et nous attendons que dorénavant, on ne nous place plus dans le secteur dit des activités à but lucratif, mais c'est surtout nous voulons qu'on reconnaisse que nous sommes là pour aider les patients. La dynamisation et le cadrage du partenariat public-privé de santé est salué et accompagné par la Banque mondiale au Burkina. Notre objectif est d'aider l'ensemble du secteur de la santé à travailler ensemble, comme vous l'avez si bien entendu par les personnes autorisées, à atteindre une meilleure offre de soins qui soit accessible à tous, indépendamment de leurs moyens, et qui leur garantisse une qualité aussi, pour qu'en consultant, ils ressortent en meilleur état que ce qu'ils sont rentrés, ou au moins qu'ils consolident l'état qu'ils ont. Les participants à la rencontre de Kourougou se donnent 5 jours pour aplanir les obstacles à la pleine participation du secteur privé dans le système de santé au Burkina. L'association d'appui et d'éveil Poxada, elle, fait le bilan de ses activités à mi-parcours. Après un an de mise en œuvre de son projet Kumbayuli, la maîtrise de soi en langue Gulmachima, de nombreux acquis ont été engrangés. 95%, c'est le taux d'exécution de son programme. L'objectif de ce projet à terme, parvenir à un taux zéro de grossesse non désirée en milieu scolaire dans les communes de Diabo et de Tibga, ces zones d'intervention. Assami Kabouré, Aruna Maré pour le compte-rendu.
C'est un bilan à mi-parcours satisfaisant que dresse l'association d'appui et d'éveil Poxada de son projet Kobayoli, qui signifie en Gulmakema la maîtrise de soi. L'objectif de ce projet de 2 ans est zéro grossesse non désirée dans 11 établissements scolaires de Diabo et de Tibga dans la région de l'Est. 95%, c'est le taux de réalisation fourni après 1 an de mise en œuvre du projet. D'abord, nous avons touché les acteurs pour identifier ceux dans le milieu scolaire et dans la santé qui pouvaient accompagner le projet. Alors on leur a apporté des compétences, on les a formés sur les problématiques, notamment la santé sexuelle et reproductive, les outils de projection, des contenus de formation sur des clés. Et nous avons préparé un jeu qu'on appelle le jeu sans tabou, qu'on va bientôt dérouler avec eux. Et les marraines et les parrains dans l'établissement ont déjà commencé les sensibilisations. À cette rencontre, l'association veut tirer les enseignements avec les acteurs impliqués pour mieux éclairer le chemin restant à parcourir. Le projet nous a appris à contrôler notre corps, à savoir dire non quand il le faut, à connaître nos priorités, à mettre en avant nos priorités. Mais quelques difficultés sont aussi enregistrées. Il s'agit en l'occurrence de la faible utilisation des outils de sensibilisation, du changement permanent des acteurs du projet, des écueils que le projet s'attelle à lever afin de jeter les bases d'une meilleure autonomisation de la jeune fille. Ils sont loin de la mère patrie, mais restent néanmoins soucieux du bien-être des parents et des familles au pays. Eux, ce sont les ressortissants de la commune rurale de Begado, dans la province du Boulgou. Nous sommes dans la région du Centre-Est. Réunis en association, notamment l'association des ressortissants de Begado en Italie, en abrégé ARBI, ils financent des projets de développement dans leur mère commune. La dernière en date, la réalisation d'un complexe culturel et sportif. L'inauguration de cette infrastructure est intervenue samedi dernier en présence de notre reporter Tanga Robert Kafando. Voici ce qui a poussé des terres après la première pierre en 2014. Un complexe culturel et sportif réalisé par l'ARBI, l'association des ressortissants de Begado en Italie. Construit sur un site de 8 000 m², le joyau comprend une salle polyvalente de 600 places, une salle de réunion de 60 places, un plateau omnisport, un château d'eau et un cafétéria. Le tout à un montant de 160 millions de francs CFA. Et nous avons compris, nous avons pris conscience que seul l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi que la population, chacun de nous, partout que tu te trouves, partout où on se trouve, qu'on conjugue un certain nombre d'efforts pour venir au bout, au niveau de la construction de notre chère patrie. Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Vincent Dabilgou, le geste de l'ARBI est un grand signe. Le signe que pour son développement, la nation burkinabé a besoin de tous. Parce que quand on regarde depuis donc quelques années ce qu'ils ont fait au niveau des infrastructures de santé, mais avoir aujourd'hui ce centre polyvalent culturel et de sport, on est obligé de dire que là c'est la vraie voie qu'ils ont montrée à l'ensemble de la diaspora. Et je voudrais au nom du gouvernement les saluer, les remercier pour d'abord la qualité donc des ouvrages que nous venons de visiter, mais aussi je vois une population enthousiaste qui montre que vitalement c'est la communion d'esprit. À cette cérémonie, l'ARBI a offert 2 engins à 2 roues pour les FDS et une somme de 500 000 francs au profit des déplacés en réponse à l'appel à l'effort de guerre lancé par le président du Faso. Créé en 1989, l'ARBI compte plusieurs réalisations dans la commune de Begado et au-delà et compte dans le cadre de l'animation de ce complexe organiser des compétitions inter-établissements, une manière de promouvoir la culture et le sport à la base. Venons-en au grand format de ce 19h dû de se procurer du gaz butane en ces temps qui courent à Ouagadougou. Dans les différentes grilles de dépôt, impossible de trouver une bouteille pleine de gaz. Une pénurie qui se fait de plus en plus ressentie chez les clients de la société de distribution de gaz Sodigaz, elle qui dispose de 65% de la part du marché. Pour la nationale des hydrocarbures au Burkina, le problème se situerait au niveau du remplissage et non à la disponibilité de ce gaz butane. La Sonabir assure donc des mesures sont prises pour résorber le problème d'ici la fin de la semaine. C'est un dossier signé Bernard Combelem et Amadine Lalsaga. Il n'y a pas de gaz. Voilà. Il n'y a pas de gaz. Depuis
plus d'une semaine, c'est le refrain devant la quasi-totalité des dépôts de vente de gaz butane Sodigaz à Ouagadougou. De Kosodo à Pissi, en passant par Somgandé, la ZAD et la Cité en Troyes, pas de gaz. Une situation insoutenable et incompréhensible pour Dame Kouale Sounibié à la recherche du précieux sésame depuis Noël. Vraiment, j'ai fait le tour de Pissi. Je n'ai pas eu. On me dit, il y en a ici, j'ai pas, il y en a pas. On me dit, il y en a ici, j'ai pas. Même dans les quinquilleries, là, on pouvait trouver à 2500 là. Là-bas aussi, il y en a pas. Depuis Noël, là, on souffre pour gaz là, comme ça. D'utiliser le gaz, de laisser charbon, de laisser bois. On a tout laissé, on est rentré dans le gaz. Voilà, gaz maintenant, il n'y en a pas gaz. On en fait comment? Dans les rues de la capitale, à moto ou en camion, assis en file indienne ou devant les dépôts et autres points de vente, c'est la croix et la bannière pour se procurer le gaz butane en cette période extrême de froid. Vous savez là où je viens? Vers l'Europe. Il y a un dépôt là-bas aussi qui est bien, mais à l'heure actuelle, là, c'est souvent à 16h pour atteindre sa ligne vers 14h avant d'atteindre vers 17h, 18h. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Vous avez des informations pour nous? Je ne peux pas comprendre. Il n'y a jamais rupture de carburant, ni d'essence, ni de pétrole. Et il y a constamment rupture de gaz. C'est quelque chose qui ne va pas. Je suis à la recherche du gaz depuis 6 heures du matin. J'ai fait au moins 5 quartiers avec mon vélo. On m'a dit que j'allais avoir ici à Somgandé du gaz. Donc j'attends toujours. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut qu'on nous aide. Comment en est-on arrivé là pour la société de distribution Sodigaz qui détient près de 65% de la part du marché burkinabé du gaz butane? C'est le fait que très souvent, le gaz n'arrive pas aux consommateurs finaux parce qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour pouvoir récupérer le gaz et puis ne pas faire en sorte que ça arrive à ceux qui doivent l'utiliser. Nous avons des équipes sur le terrain, des équipes réseau qui travaillent là-dessus. Nous avons également ce tour que nous faisons pour s'assurer que vraiment, actuellement, ceux qui ont besoin du gaz, c'est à eux on va donner. L'autre aspect sur lequel il faut peut-être qu'on puisse informer, c'est que nous, en tant que Sodigaz, nous ne sommes que des distributeurs. Et nous prenons le gaz avec la Sonabi, qui est l'acteur principal en ce qui concerne le stockage. À la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi, les raisons sont diverses. Entre augmentation de la consommation en cette période de pic de froid et des fêtes de fin d'année, la surenchère des revendeurs indélicats, les responsables de la nationale d'hydrocarbures rassurent. Nous voudrions vraiment très sincèrement présenter nos excuses aux consommateurs pour les désagréments subis, en espérant et très fermement que ça sera la dernière fois que nous avons à présenter des excuses sur cette question des gaz. Et je voulais aussi rassurer les consommateurs qu'il n'y a aucun problème sur l'approvisionnement en gaz du pays. Le gaz est disponible. Les difficultés que nous rencontrons actuellement sont des difficultés de mise en bouteille du gaz. D'ici la fin de la semaine, nous devrons pouvoir résorber la pénurie. Pour résoudre durablement cette pénurie presque cyclique du gaz butane, la Sonabi envisage très bientôt l'agrandissement de ses installations de remplissage, avec en point de mire une nouvelle sphère de stockage de gaz au dépôt de Bingo, plus grand et beaucoup plus moderne. Le moins que l'on puisse dire, donc, cette pénurie de gaz n'a pas empêché la tenue du traditionnel Nabaska du chef de Samba. Cette année encore, Naba Kango a sacrifié à la tradition, rendre celle de rendre hommage à ses ancêtres. Réjouissance populaire, rite traditionnel et surtout marqué cette fête coutumière qui a mobilisé du monde dans la cour du chef. Des convives venus présenter à Naba Kango leurs vœux de nouvel an. Olopoda. Une journée au cœur de la tradition Mwaga. Nous sommes à la fête coutumière de Naba Kwanga de Saba, le Nabaska, un jour de réjouissance populaire et de rite traditionnel qui se perpétue d'année en année et de génération en génération. Pour cette célébration, Naba Kwanga rend hommage aux ancêtres et implore quiétude, bonheur et paix pour les populations dans la localité et partout au Burkina Faso. Ton côté, c'est
Je demande aux membres de nos ancêtres de protéger notre pays, le Burkina Faso. Le pardon, l'unité nationale, la cohésion et la paix sont les vœux que je formule en cette nouvelle année à l'endroit des populations de Saba et du Burkina tout entier. Paix et prospérité au Burkina Faso, c'est aussi les vœux de ces convives du jour qui tiennent à la survie de cette tradition multiséculaire. Hommes politiques, parents, amis ou simples anonymes, ils sont venus nombreux pour rendre hommage au chef. Donc ensemble, autorités et administrés, je pense que nous allons nous donner main dans la main courant cette année 2020 pour accompagner les forces de défense et de sécurité et dans la lutte et dans la quête de la stabilité du pays. Que nous traversons une période d'insécurité notoire, je pense qu'avec les mains, les ancêtres, nous allons sortir de l'auberge. Le Nabaska est une fête culturelle célébrée chaque année par les chefs coutumiers. Le Nabakwanga de Saba le tient régulièrement autour de la première semaine du mois de janvier. Je reprends pour vous donc cette information. Panique ce matin à Pazani, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une explosion d'un engin dans une école franco-arabe dans ce quartier de la capitale a créé la stupeur chez les populations. L'explosion a causé la blessure de 4 élèves, tous dans classe de TE1, dont 2 graves évacués dans un centre de santé. Informés, les autorités communales se sont rendues sur les lieux. Selon le maire de Ouagadougou, l'engin aurait été manipulé par des élèves pendant le cours. Piste terroriste ou incivilisme scolaire, aucune piste n'est à négliger selon Armand Bewende. Pour l'heure, une enquête est ouverte par les forces de défense et de sécurité pour déterminer les causes de cet incident. Comme je vous l'annonçais auparavant, nous reviendrons plus en détail sur cette information avec Nathalie Kaoré dans le journal de 20h. Point final donc pour cette édition du 20h, 19h plus tôt. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite à deux programmes.